L'école de design m'a missionné pour imaginer un workshop de scénographie avec les étudiants en scénographie de troisième année internationale, donc tout se passe en anglais. Le sujet que j'ai amené à ces étudiants-là, c'est de travailler sur une scénographie pour un groupe de musique. Et ce groupe de musique, je l'ai trouvé à Trampolino, et il s'appelle Trash Leads, un groupe nantais. J'ai fait en sorte que les étudiants et le groupe se rencontrent à Trampolino pour aussi comprendre l'univers des musiciens et aussi toutes les techniques, régie, etc. sur plateau, donc comment fonctionne une scénographie de plateau pour un groupe de musique. Samedi 19 novembre pour le concert, et on a aussi les étudiants d'MGM qui suivent le parcours, l'ensemble du projet. Moi, ce qui m'intéresse là-dedans, c'est que les étudiants puissent sentir leur projet être valorisé par une autre équipe de professionnels, on va dire, et de pouvoir avoir dans leurs archives personnelles un film qui concentre tout ce qu'ils ont fait sur un projet. D'abord une projection, un film, donc il y a un groupe d'étudiants qui s'occupe de travailler des effets psychédéliques comme Trash Leads le souhaite, sous fond noir. Et donc il y a un studio noir où les étudiants, le groupe d'étudiants travaille des matériaux, les transforme et les filme de près pour en faire une projection plus volumineuse sur la scène et sur les musiciens. Trash Leads, déjà c'est nous deux fois deux, parce qu'il y a deux autres personnes. C'est un quatuor de Young Jazz Rock Prog avec Richard au clavier, avec moi à la batterie et un peu au chant, avec Rémi James et Jonas Jacques qui sont à la guitare et à la basse. Alors comment est né ce projet de scénographie, Richard ? On répète depuis 3 ans du coup à Trampolino, donc c'est un studio à Nantes de locaux de répétition. Pardon. Et en fait chaque année, l'école de design et la MJM, une école de bah, la vôtre, quoi. Je sais pas, je sais même plus ce que ça veut dire, je suis désolé. Comment péter. Du coup, on organise avec, les personnels de Trampolino organisent avec un groupe résident de Trampolino, du coup une association et une collaboration du coup avec ces deux écoles là. Qui vise à créer une scénographie avec le groupe. On est très très contents.